Allô? Allô? C'est toi qu'on se revoit. Allô? Allô? Ah! Ce petit connard m'appelle. Ok, dans la même pièce que moi. Connard! Allô? Allô? Ah non, c'était un mail. C'est pas mal ça. Allô? C'est un putain de débinoir! Merde! Aujourd'hui, le travail se passe plutôt bien, mais j'ai pas envie de parler de ça. En fait, depuis le début de ce projet, il y a eu quelques échecs. Mais s'il y a bien une chose qui a été une réussite totale, c'est la séance de muscu quotidienne. Attention, Massoud, il a bientôt fini. S'il a fini et que tu n'es pas prêt pour la série, ça veut dire que tu vas retarder tout le monde. Okay. Tu changes. Okay, on s'adapte. Est-ce que un gars a fait une grosse là ? Donc là, Massoud simule ce que c'est d'avoir une grosse paire de couilles pendant que tu fais des tractions. On tourne sur 3 jours. Donc on a un jour où on fait tous les muscles qui servent à pousser. Donc pectoraux, avant de l'épaule et triceps. Et un jour on tous les muscles qui servent à tirer, donc le dos, le biceps et l'arrière des épaules. Attends, t'en as fait combien là ? 4. Bah ouais, moi je suis pas bon en dos. Et après on a un jour pour les jambes, donc squat, mollet, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire tous ces exercices malgré l'absence des salles de sport ? Ok. Bah on achète les livres de Lavier, ou alors on a un ami qui nous les offre en cadeau. Et moi je pense qu'il faut comprendre la fonction de chaque muscle. Il faut comprendre qu'un muscle c'est plein de câbles qui sont accrochés sur des os et qui les rapprochent quand ils se contractent. Donc par exemple l'avant de l'épaule, c'est des câbles qui sont liés sur cet os et sur la clavicule. Et ça tire, il se rétracte comme ça et du coup ça fait lever le bras quand il se contracte. Et c'est pareil pour tous les muscles et du coup si on comprend la fonction de chaque muscle, si on comprend le principe, on peut comprendre la fonction de chaque muscle et on peut comprendre quel mouvement le sollicite. Mmh. Et voilà, du coup, c'est juste, faut être curieux avec son corps, expérimenter et se reconnecter à son corps. Et on peut après improviser des exercices ou alors directement s'inspirer dans les 5 livres de Frédéric Delavier. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme technique pour faire des squats sans pouvoir se mettre des poids sur le dos ? Jour 336. Ça, je vais tomber. Tu veux expliquer la situation, Florent ? Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé. Un virus nous est venu de Chine. Les confinements répétés nous ont fait perdre plus de 10 kilos de masse musculaire. Alors nous avons décidé de devenir des haltères. C'est un exercice, j'imagine qu'ils le font en Russie dans les goulags. En gros, on utilise un humain comme haltère qu'on met sur le dos. Un peu comme des lutteurs, et on fait des squats, quoi. Et ça marche plutôt bien, moi j'étais assez surpris. Ça marche plutôt bien. Vous demandez sûrement comment je suis arrivé là. Laissez-moi vous expliquer. J'ai bien la peur. Ok. C'est horrible, c'est angoissant en fait d'être une haltère. Je vois constamment le sol sur la prochaine. C'est le mec qui a de sauter parce qu'il est fatigué, il a perdu. Il y a pas de... Si tu perds le rythme, t'as perdu. Si tu perds le rythme, et si tu bats le mouvement que ça a de sauter, c'est fini. Ouais. 4, 3, 2, 1, go. Tu crois qu'on en avait fait combien, genre 50, 60? Tu parles des sauts, là? Ouais, des sauts. Je pense qu'on était dans les 100, ouais. 100? Ouais, mais c'était horrible parce qu'on avait fait des séries de squats avant, donc on avait les cuisses fatiguées, et là, c'était un enfer. C'est vraiment ce qu'il y a d'année. Ça a abusé, ce truc. T'as fini? Putain, ça a abusé. Seconde. Celui qui perd, donc celui qui s'arrête de faire des sauts, le premier, il doit manger une cuillère de... une grosse cuillère de protéines en poudre sans eau et si vous n'avez pas essayé, essayez, c'est un enfer.
Oh putain, ça pue en plus. Donc au final, on avait décidé que celui qui échouerait au défi devrait manger la cuillère de prod sans eau. Et finalement, on a tous décidé de le faire. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même avouer qu'il y a certains moments où la flemme s'est emparée de nous et où on a essayé de rendre la séance plus courte? Parce que tu as sous-entendu qu'il fallait qu'on fasse le sport de manière raccourcie aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire raccourci, Massoud? Mais je suis au bout du rouleau. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Et je remercie les gens de cette team, de cette équipe, parce qu'il y a toujours une personne au moins qui va se rendre compte qu'en fait, si on veut amoindrir la séance, c'est juste parce que en fait on a la flemme et c'est pas justifié. Parce que ça peut être justifié d'amoindrir une séance si on est vraiment fatigué ou si on n'a pas à récupérer. C'est cool de se reposer un peu. Mais voilà, on n'est jamais vraiment en repos ici. Hein. C'est une petite balle de nerf à esquiver. Alors comment ça se passe à l'atelier? Écoute, ça se passe, l'atelier tourne à plein régime. À plein régime? Ouais, plein régime. Ou à demi-régime? Non, plein régime, on a fait 14 envois tout à l'heure. 14 envois? 14 envois. Putain, wow. Il y aura des contents. T'es au fond du trou, Massoud? Je suis au fond du trou parce que c'est pas normal d'être vierge à 24 ans. Massoud, t'es en train de me dire que si on réussit pas à faire de l'argent, à faire marcher cette entreprise, on va rester puceau à vie? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. À vie, Massoud? Bah, en vrai, j'ai toujours pensé que le porno serait un substitut suffisant. Mais ça commence à faire beaucoup de porno là. Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos petits enfants adoptifs? On va dire qu'on a tout donné mais que ça n'a pas suffi.